Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu particulière parce que je vais vous présenter un vlog, mais un vlog qui date un peu parce que en fait c'est un vlog à Bordeaux, mais j'ai été à Bordeaux l'année dernière, donc les images datent d'il y a un an, mais j'avais jamais monté le vlog, etc. Et là je me suis dit que c'était l'occasion, c'est l'été, donc voilà, j'avais pas envie de vous sortir un vlog d'été genre en décembre, donc voilà, je me suis dit que j'allais le garder pour cet été. Donc voilà, il est pas très fourni parce qu'à la base j'avais pas prévu de faire un vlog, j'ai juste filmé plein de trucs et finalement je me suis dit que voilà, je pouvais en faire quelque chose. Et du coup bah je vous laisse sur la vidéo. Donc, ça fait un an que ces images ont été tournées, c'est normal si j'ai changé un peu de tête, etc. Donc voilà, je vous laisse avec tout ça. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau vlog à Bordeaux parce que je passe quelques jours ici chez une amie, Élise, qui filme. Je voulais vous montrer après. Et aujourd'hui on fait une petite escapade à la Dune Spila et à Arcachon. Et d'abord je voulais vous montrer le petit déj qu'elle nous a fait ce matin, un brunch trop bon, je vous mets quelques images maintenant. Et donc là il y a la Dune de Spila juste derrière, on va y aller, il fait actuellement 32 degrés, on n'en peut plus, mais ça va le faire et du coup je vous emmène avec moi 3-4 jours à Bordeaux, voilà. Enfin, je vais essayer. Alors du coup on est revenu sur Arcachon, ici il y a un arbre, bon je vous montrerai après. Donc il est 19h... assistante 19h17. On va aller manger parce qu'on a super faim, parce que du coup on a brunché genre à 11h30, on n'a pas remangé depuis. Et mais c'est surtout qu'on a monté, descendu, monté, ah ouais, descendu, oh, la nous auriez dû remonter. Moi j'étais en sueur, j'en pouvais plus. Et donc là on va aller manger et puis on ira se balader sur le bord. Sur la chaussée de... Ouais exactement. On va aller voir la queue de la baleine pour ceux qui connaissent. Moi je connais pas. Alors Élise, bilan de cette journée avec moi. Écoute, c'est ma foi, la journée a très bien commencé. Je pense qu'on a très bien mangé, je sais pas pourquoi. Bon, mais là nous sommes en train d'observer un magnifique coucher de soleil. Vous voyez rien. Et non, et sinon, mais la Dune du Pilat c'était super chouette. Moi, c'est toujours un plaisir d'y aller. On a fait notre petit sport en même temps. Et puis demain, de nouvelles aventures. Demain. Avant, il faut qu'on rentre à la maison. Oui, d'abord. Voilà. On a un peu de chemin. Hello tout le monde, on est le deuxième jour et là on est à Lacanau Océan. On a pris le bus ce matin qui a duré 2h30, mais du coup on est arrivé, il doit être 14h, un truc comme ça, et on est au resto italien. Et ça c'est notre entrée, ça a l'air vachement beau. Et vous pouvez me féliciter, j'ai pas commandé pas de carbo. Et oui.
Hello, on est de retour chez Elise. Du coup, on a été se balader en ville et du coup j'ai pu visiter enfin Bordeaux. Et j'ai fait quelques achats, non pas livres mais vêtements. Et je voulais vous les montrer. Alors déjà, regardez la belle bibliothèque d'Elise. Et deuxièmement, regardez mon beau t-shirt plus égal plus de Lena Situation, j'adore. Donc justement on a été chez Jennifer et j'ai acheté cette grande veste qui est à moins 50%. Je vais vous montrer. Elle fait genre assez classe. Genre comme ça. J'aime trop, elle est trop bien. Et du coup elle m'a coûté 15 euros au lieu de 30 euros. Donc elle est trop cool, elle est assez légère. Et j'ai aussi acheté un short chez Stradivarius qui m'a coûté 20 euros. Et il est... ce qui est bien, c'est qu'il est taille haute, mais qu'il n'est pas au ras des fesses. Donc voilà. Voilà, c'était mon haul. Regardez qui on a retrouvé. La bouquinade en personne. Tu filmes comme moi, copieuse. On fait pareil, on filme les mêmes plans depuis tout à l'heure. C'est ça. Vous allez avoir le même vlog en deux fois. C'est ça. Elle s'en fout de ce que je raconte en plus. Je m'applique. Ah pardon, excuse-moi. C'est des cours professionnels. Attendez, pause. Je vous mets juste un peu dans le contexte. En fait, là, Elise m'avait hébergée pendant plusieurs jours chez elle gratuitement. Je m'étais dit que j'allais quand même lui faire un petit cadeau. Et donc, j'ai été lui acheter Midnight Sun de Stephanie Meyer, donc la suite de Twilight, pour la remercier. En plus, je savais que c'était un livre qu'elle voulait vraiment. Il venait de sortir à ce moment-là. Et du coup, bah voilà, je l'ai acheté, je l'ai mis dans sa bibliothèque en mode ni vu ni connu. Et je vous laisse voir après. Elise, oui. Regarde, il y a quelque chose qui a changé dans ta bibliothèque. Oui. Ah oui, je crois que ça peut durer. Oh ah, ça y est. Parce que vous l'avez pas rangé. Ah oh, c'est qui? C'est moi. Oh, je ne connais pas. Merci. Merci. Ah, dans la grosse bricasse. Ouais, il est énorme.